Ok, donc on est parti pour ce nouvel épisode de Au bord du ring. Et si je ne me trompe pas, on est au quatrième épisode. Et aujourd'hui, j'accueille Mundo. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien. J'ai vu les trois premiers épisodes où tu avais quand même des très bons noms. Donc, je vais essayer de rendre ça aussi intéressant que les trois premiers. Bah, je suis sûr que ce sera tout aussi intéressant parce que je suppose que tu as beaucoup de bonnes choses à nous raconter. Je pense, on va essayer, je vais voir. Ah ben on va d'ailleurs commencer directement parce que j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours parce que bon, malgré le fait qu'on a déjà pu se rencontrer à plusieurs reprises au show de la TUW, on n'a pas forcément eu beaucoup de temps d'échanger parce que tu sais comment ça marche un show de catch, on est concentré sur le show, on est concentré sur notre match et parfois on n'a pas beaucoup de temps de discuter. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce format podcast, c'est qu'on peut se poser tranquillement et qu'on peut échanger par rapport à nos carrières et parler de certaines anecdotes et toutes les autres choses qui sont reliées avec le catch, bien entendu. Donc voilà, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Bah écoute, moi, tu sais, déjà, je viens de l'île de la Réunion, donc très, 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 très loin du Québec, donc une petite île française à côté de Madagascar. Et tu sais, j'avais toujours, je me souviens, j'ai des souvenirs chez moi où, tu sais, je criais Baptiste à bombe dans la piscine, mais sans vraiment trop savoir ce que c'était. Et un jour, j'ai un de mes amis qui me dit, eh ben, tu devrais écouter ça. Mais là, on parle de il y a, mon Dieu, j'avais 11 ou 12 ans, je pense, un truc comme ça. Et il me dit, bah, tu devrais écouter Raw. Faut que tu écoutes ça. Je vois que tu as l'air d'aimer tout ça et tout. Et en plus, il avait le jeu SmackDown versus Raw 2011, je pense. Ah, ça remonte là. Ça ouf. Oh, je l'ai bien connu aussi, celui-là. Ah, je viens de prendre un petit coup de vieux, puis c'est pas intéressant. et à un moment, bah, tu sais, je zappe à la télé. Et je tombe, ça c'était la période de WrestleMania 26 avec Taker et Shawn Michaels. Et je zappe la télé et à un moment j'arrive sur un truc où on entend la fameuse entrée de. Aïe, le jeune Clément était comme ça. J'en revenais pas de ce que je voyais, Undertaker qui rentre, le feu partout, la marche très lente, le chapeau avec les yeux. Écoute, j'étais devant, mais vraiment. Et je regarde mon père, je dis, bah, c'est ça que je veux faire, je veux faire ça. Donc, évidemment, la Réunion, ce n'est pas un sport qui est super connu et qui n'a pas, malheureusement pas, les lettres de noblesse qu'il mérite parce que bah, tout le monde voit ça comme un sport, bah, tu sais, je veux dire le mot faux, fake, arrangé, qu'importe comment les gens veulent l'appeler. Donc, tu sais, il n'y a pas de représentation de catch à La Réunion. Il y en a eu quelques-uns, j'ai entendu pendant que j'étais au Québec, où le maire d'une ville avait fait venir des catcheurs justement de l'extérieur. Mais c'est plus un sport, je te dirais, qui est drôle et comique que vraiment un sport sérieux à La Réunion. Ce qui est dommage, selon moi, il y aurait de belles choses à raconter aussi là-bas. Il n'y a pas de fédération vraiment en tant que telle à La Réunion. Non. Ou alors, s'il y en a. T'sais, j'en ai jamais entendu parler et il n'y a pas de représentation publique dans des gymnases d'école ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très, très underground. Je me souviens même une fois, j'allais dormir chez un de mes très, très bons amis d'enfance. Et bah, c'était justement, c'était mercredi, je pense que ça passait à La Réunion sur Catch Attack, un truc comme ça. Et donc, je lui dis, c'est les vacances, donc on peut se coucher tard. Je lui dis, ah, bah, est-ce qu'on regarde le catch à la télé? Il va demander à son père, je ne comprends pas pourquoi il faut qu'il demande à son père, mais en tout cas, il va demander à son père. Et son père a dit, je cite, « Non, il n'y a personne qui regarde ça ici, c'est faux, c'est arrangé, c'est pas un vrai sport, il n'y a personne qui regardera ça ici. » J'ai fait « Waouh, ok, d'accord. » Et surtout que bah, quand tu es plus jeune et que tu ne connais pas ça, bah, les coups qui se mettent sont vrais. Tu sais, je voyais John Morrison, c'est un des moves qui me revient en tête. John Morrison et son running knee où la personne est juste assise, puis il part dans les cordes, il revient avec son knee. Ça, pour moi, le gars était mort. Shining Wizard, on appelle ça, je crois. Exact, mais c'était vraiment pas un Shining Wizard. C'était vraiment, moi, j'ai appelé ça le coup de genou dans ta gueule parce que c'est littéralement... Okay. Pour moi, je suis comme, OK, ben, le gars en face, il est mort. Donc, tu sais, il n'y avait pas cet aspect de faux, il n'y avait pas cet aspect de fake ou arrangé, quoi que ce soit. Et finalement, ben, vu qu'à La Réunion, tu sais, il n'y avait rien, ben, l'idée est... Tu sais, j'avais accepté l'idée de ne jamais en faire. Donc finalement, bah, je déménage au Québec et
Un an après mon arrivée, à peu près, mon père, il monte le journal et il y avait une annonce pour un show de l'Académie de lutte estrienne à Sherbrooke. Donc, ben, il me dit, écris-leur pour voir. Donc, je leur écris, je suis là, je suis super intéressé et tout. Et ils me répondent, la douche froide, ah, oh, on n'a pas d'école, donc ben, tu sais, on ne peut pas former les gens. Je suis là, merde. Et finalement, je reçois un message, c'était pendant les vacances d'été, je reçois un message, hey, on va ouvrir une école à telle date. Si tu veux venir, viens, je suis comme, oh mon Dieu, let's go. Donc, pareil, mais tu sais, moi j'y allais, vu qu'on m'avait dit c'était fake, arrangé, faux, etc. Ben, moi j'y vais en me disant, tu sais, ça va faire ça. Jusqu'à le premier que je prends, je suis genre, wow, 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 on se Ah calme. ouais. Le pendril, je me souviendrai toujours, le premier coup que j'ai pris, j'ai fait, ah ouais, ok, c'est pas si faux et arrangé que ça. Donc, tu sais, ça, moi, ça a commencé là. J'ai commencé à Sherbrooke. J'ai fait 8 ans à Sherbrooke avec, tu sais, des sorties très sporadiques parce que, bah, vu que j'ai eu mon permis de conduire, je ne sais plus trop quand, mais j'ai pas envie de reprendre un autre coup de vieux. Donc, tu sais, je sortais que très rarement. En fait, je sortais quand des gens de Sherbrooke sortaient et avaient la possibilité. Donc, tu sais, c'est pour ça que principalement, j'étais plus connu en Estrie. J'avais des amis, par contre, tu sais, qui luttaient un petit peu partout. Donc, tu sais, dès qu'ils y allaient, ça, j'essayais d'accompagner. Mais en gros, tu sais, ça ressemble à ça. Puis après, il y a eu la pandémie. De toute façon, moi, j'avais dû prendre une pause parce que mon dos, il était fini. Tu sais, j'ai dit une phrase que je pensais jamais dire de ma vie. J'avais 24 ans et je me levais pour aller travailler. Et j'ai demandé à mon ex, j'ai dit, ah, est-ce que tu peux mettre mes chaussettes, s'il te plaît? Parce que j'arrive pas à me pencher. Oh Et il là est... c'est déjà un premier signe. Ouais. Il était, il est 5h30 du matin, elle a les deux yeux, elle me regarde, mais de quoi tu parles? Je dis, ben, j'arrive pas à me pencher, il faut que tu mettes. Elle me regarde, ouais, ça serait peut-être temps que tu ralentisses le cash un petit peu. Et donc finalement, après, il y a eu le Covid, donc j'ai pas eu le choix de prendre une pause. Et honnêtement, quand j'avais décidé de prendre ma pause, je me suis dit, j'ai fini avec le catch, c'est terminé. J'étais vraiment fatigué physiquement et mentalement, parce que c'est pour les gens qui ne le savent pas. Dès que tu es un petit peu, comment dire ça, intéressé au développement d'une fédération et que tu t'impliques réellement, il y a beaucoup de politique qui joue et ça devient très facilement épuisant mentalement aussi. Et j'ai été pour l'Académie de lutte estrienne, j'ai été 2 ans metteur en scène dans Bouqueux et ça pour de vrai, c'était infernal. Il y a eu de très bons moments, c'était très le fun, mais il y a eu des moments aussi où c'était infernal. Donc moi, j'avais décidé, c'était littéralement, fuck la lutte, c'est terminé. Et finalement, je retourne un jour, c'était en 2021, juste dire bonjour, tu sais, comment ça va et tout. Et là, on me dit, ah ben, on aurait un spot pour toi, tu sais, juste manager, tu n'as rien à faire et tout. Je me dis, bon, parfait, ça va me permettre de juste une dernière fois et tout. Et je rentre, et la foule, ben, tu sais, j'ai la chance à Sherbrooke d'avoir une gimmick qui est très forte, donc qui se distingue du lot. Et donc, la foule me voit rentrer, ouais, écoute. La drogue est repartie tout de suite. Et dans ma tête, ça a fait, eh merde. Et là, je savais que j'allais revenir. Donc, je suis revenu l'année suivante. Puis, j'ai pas arrêté depuis 2022. Tu t'es dit, eh merde, je suis retombé dans l'engrenage, tu Voilà. sais. J'ai beaucoup de respect, pour de vrai, hein, j'ai énormément de respect pour ceux qui sont capables de dire, je prends ma retraite et qui restent à la retraite. Je n'ai aucune idée de comment ils font parce que dès que j'aurai une proposition de booking, je serai comme, oui, parfait, on y va. Et après, tu reprends, et c'est très, très dur d'arrêter ce sport, ce qui, je pense, en fait la beauté aussi du sport, parce que il y a une certaine magie quand on me demande pourquoi la lutte, le classique, pourquoi la lutte, pourquoi pas la boxe, pourquoi pas le MMA, pourquoi pas ça. Je trouve que c'est un sport qui n'est pas comparable. Faut être complètement cinglé pour le faire, parce que à la boxe, admettons, tu rentres dans un ring. Tu sais que soit tu perds, soit tu gagnes. C'est clair et net. Soit tu es le plus fort, soit tu es le moins fort que la personne, etc. Mais dans le catch, tu rentres pourquoi? Pour qu'un public te dise à la fin, très beau match. C'est littéralement pour ça qu'on fait ça et qu'on se lève le lendemain et qu'on est comme, wow, je suis démoli, mais très beau match. Ça n'a aucun sens dans une tête d'humain normale, je veux dire. Un combattant de MMA qui voit un coup de pied arriver, il va faire ça pour se protéger. Qu'est-ce que nous, on fait? C'est pas Un logique. peu Après, il triste, faut être complètement fou pour faire ça. Et ouais. je pense que le fait de tendre la joue ou de justement enlever les mains le plus possible, ça vient du fait que les gens ils disent, oh ben c'est fake. On veut leur montrer que c'est pas faux. Donc ben, on prend des coups parfois inutiles un petit peu par rapport à ça. Mais on va se le dire aussi, des fois, c'est des bons coups qui rentrent de manière sécuritaire.
c'est génial aussi. Ouais, c'est ça, il faut dire. Et tu sais, ouais, le catch, malgré que on porte, tu sais, les coups sont quand même portés, mais pas dans. Si on compare avec la. C'est souvent une comparaison que je fais quand y a des gens, par exemple, qui me posent la question. Tu sais, malgré que c'est pas comme la boxe ni le MMA, il y a quand même. Là où dans la boxe ou le MMA, le but c'est de mettre KO ton adversaire, mais là dans le catch, c'est pas pareil. Donc, parce que nous, on doit quand même. On fait des chutes aussi. Tu sais, c'est tout un mélange de choses qui fait que tu es quand même. À la fin du combat, tu es quand même mort, quoi, tu sais. Bah, tu sais, Et c'est pour ça que tu peux pas te permettre de donner des coups au point où tu mets KO ton adversaire, parce que sinon tu feras une courte carrière, ta carrière elle va pas durer. Et puis c'est pas le catch, tout simplement, tu vois. exact. Puis j'avais vu ta vidéo aussi où tu parlais, tu sais, des erreurs à éviter pour avoir, tu sais, bah, justement une bonne réputation, une bonne carrière. À partir du moment où tu te mets à mettre du monde KO pour aucune raison, ta carrière est terminée parce que plus personne veut travailler avec toi, plus personne veut te booker, plus personne veut te voir aussi, tout simplement. C'est important d'avoir, pour moi, le plus important, c'est, bah, il y a deux choses, c'est que le spectateur qui paye en ait pour son argent et la sécurité de mon partenaire. C'est très rare que je vais dire adversaire ou quoi que ce soit parce que techniquement, on travaille ensemble pour délivrer une histoire. Donc, pour moi, c'est le plus important. Puis, un move que je ne me sens pas à l'aise de faire pour la sécurité de mon adversaire, je ne le ferai pas. Et il y a une fois, la seule fois où j'ai dit non pour recevoir un move, le nom va peut-être te surprendre parce que le move est super safe. C'était avec Marc-André Frankie de Mobster. Et il vient me voir, il dit, je vais te faire un Rana de la 3. Moi, je suis comme, oh, ben, parfait, tu sais, front flip de la 3, c'est super simple à prendre. Et il me dit, par contre, assure-toi de vraiment bien m'attraper pour que je puisse flipper. Et là, dans ma tête, je me suis dit, non, ça ne marche pas parce que imagine, je le rate ou qu'il glisse ou quoi que ce soit. Je veux pas prendre ce risque-là. Donc, je lui ai dit, ah, écoute, je ne suis pas à l'aise parce que je veux pas te blesser. Il me dit, parfait, ben, on va faire autre chose. C'est surtout Marc-André qui est quand même un beau bébé, il est quand même pas mal lourd, donc il vaut Écoute. mieux bien le réceptionner, bien l'attraper, quoi. En plus, c'est vraiment quelqu'un que t'as pas envie de blesser. Enfin, en fait, tout le monde, je veux dire, même tous les autres catcheurs. Ça veut pas dire que les autres catcheurs ont envie de les blesser, mais surtout lui qui est vraiment un excellent catcheur et qui est vraiment aussi une très bonne personne. Donc ça me Ouais. ferait mal au cul, ça me ferait mal au cul, tu sais, d'être dans un match une fois avec lui. Et qu'à la fin du match, il soit blessé à cause de moi, je me sentirais très coupable. Mais bon, C'est heureusement, c'est pas arrivé. parenthèse sur Marc-André, parce que j'ai déjà des amis qui m'ont dit tant qu'à faire, tu sais, commence à le sucer, mais c'est absolument pas ça. C'est juste que j'aime beaucoup les bons êtres humains. C'est les bonnes personnes. Je m'en fiche de qui tu es, mais un bon être humain pour moi, ça dépasse tout. Et j'avais une fois rencontré un ancien de l'AE, il était venu à Sherbrooke, c'était mon troisième match à vie. Donc moi, on me dit, il y a un ancien de l'AE qui arrive, je suis comme, oh mon Dieu! Il arrive, il me serre la main, excuse-moi, il me touche la main, me regarde même pas, part faire autre chose. Donc là, déjà, tu as le mythe qui prend un coup. T'sais. Et ensuite, moi, on m'avait toujours parlé, comme moi, s'il y a un gars à la lutte au Québec ou au catch au Québec, qu'il faut que tu prennes exemple dessus, c'est Frankie de Mobster. C'est un nom que j'ai entendu, je pense, des dizaines de milliers de fois en l'espace de 6 matchs. Et avec raison. Et la première fois que je suis allé le rencontrer, il vient à Sherbrooke et moi je suis un peu starstruck parce que ben, on parle de lui comme tu sais, une déité de la lutte au Québec, ce qui est normal. Et je vais le voir, je lui dis, hey, je veux pas te déranger très longtemps, tu sais, je suis super impressionné de te voir, ça fait plaisir de partager un vestiaire avec toi. Et il me dit, il me regarde, il me fait, ta gueule. C'est typique Marc-André. Il dit, toi et moi, on fait la même chose, arrête de voir plus que. Mais limite, je me fais engueuler, quoi. Il me dit, on fait la même chose, on n'est pas là, je suis pas meilleur, je suis pas moins bon, on fait tous la même chose. J'étais comme, waouh, Est très le très humble. contraste, Il est très humble en fait. trop honnêtement. Tu sais, moi, j'ai Ouais. toujours dit, en plus, Taker, ben, la WWE avait Undertaker, la lutte au Québec a Marc-André Frankie de Mobster. Pour moi, c'est le même niveau d'aura et de prestance. Mais ça a été, j'ai travaillé une fois avec lui, justement, ben, quand j'étais booker, je refusais de m'occuper de mon booking parce que je déteste ça, les gens qui deviennent booker puis qui se bookent champion. Donc, je laissais au CA le soin de gérer mon booking. Pour te dire, le plus gros choix à Sherbrooke, c'est l'Apogée.
Et moi, la façon dont je travaillais, c'est OK, à l'apogée, voilà la carte que je veux, et ensuite je décortique en fonction des shows, qu'est-ce que je veux. Donc là, je fais ma carte pour l'apogée, je la présente au comité, je fais parfait, et tout le monde me dit, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Je suis comme, ben, non, c'est tous les lecteurs actifs sont dessus. Jusqu'à ce qu'il y en ait qui me disent, c'est parce qu'il manque toi, en fait. Je suis comme, ah bah oui, j'avais zéro match pour l'apogée, ni rien. Et donc, finalement, au fur et à mesure, j'avais toujours zéro match pour l'apogée. Et bah, pareil, quand mon dos commençait à boguer un peu, je leur disais, ah, tu sais, moi, je me disais, je vais prendre une pause, puis j'arrête là. Et ils me disaient, ah, bah, à l'apogée, on va te donner Marc-André. Je suis comme, bon, allez, la pause, ça part aux poubelles. On va travailler Marc-André avec grand plaisir, grand, grand plaisir. Et c'est là que tu vois que il faut que tu sortes et il faut que tu travailles avec d'autres mondes pour apprendre. C'est quoi le catch? Pour apprendre à catcher comme il faut sortir et il faut que tu vois d'autres personnes. Ah ouais, non, exactement. Justement, qu'on parle de Marc-André, la première fois que je l'avais vu, c'était en tant que spectateur. J'avais été voir un show de la FML, je pense que c'était pendant la période Covid, mais il y avait une période où ils avaient réautorisé, je pense, des shows, et puis ça avait refermé à nouveau. Et je me souviens, la première fois que je l'avais vu, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vraiment, mais de manière très agréablement surpris, quoi. Je fais, c'est quoi ce gars? Et parce que j'étais super impressionné par son personnage, par son physique et aussi par sa manière de catcher. Et je suis vraiment content maintenant d'avoir pu partager le ring avec lui, quoi, 4-5 fois, 6 fois, je pense. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Mais après, oui, c'est vrai que comme tu as dit, il faut être aussi capable être prêt à lutter avec tout le monde, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc parce que je voulais revenir sur quelque chose que tu m'avais dit au début, parce que tu m'as dit qu'avant tu vivais à La Réunion et que tu avais déménagé ici pour le Canada. Donc tu as dû avant de pouvoir commencer le catch, tu as dû attendre de déménager ici parce qu'il n'y avait pas d'école à La Réunion, c'est bien ça? Exact. Mais du coup, t'as commencé aux alentours de quelles années, toi, ici, quand t'as déménagé? Est-ce que t'as commencé le catch directement quand t'as déménagé ici, ou bien ça s'est fait quelques années plus tard? Non, en fait, nous, on est arrivé en 2012. Et bah, t'sais, mais pareil, je savais pas qu'il y avait du catch au Québec. J'en avais vraiment pas entendu parler. C'est vraiment en 2013. Pour de vrai, je vais te donner une période. Je pense que c'était genre au printemps 2013 où mon père m'a montré le fameux article. Et j'ai commencé à m'entraîner en juillet, août 2013, je pense, ou un truc comme ça. Et pareil, tu sais, bah, on nous entraîne de. Tu sais, je veux dire, pour moi, en tout cas, c'est pas super compliqué un entraînement de catch. En tout cas, apprendre à devenir catcheur, tu sais, c'est juste apprendre à être vraiment sécuritaire parce que c'est pas vrai qu'on va t'apprendre à ben, voilà comment on fait un powerbomb, voilà comment on fait un power driver. Tu sais, c'est plus voilà comment tu es sécuritaire, voilà comment tu bombes, voilà un petit peu l'art du catch. Et donc, tu sais, moi, j'ai commencé mon premier match, c'était le 1er février 2014. Donc, tu sais, ça a fait 10 ans cette année, 8 si tu enlèves les 2 ans de pandémie. Et ça, c'était vraiment, mais même en arrivant ici, vu comme je disais, je ne savais même pas qu'il y en avait, l'idée d'en faire n'était pas repartie. C'est vraiment quand mon père m'a montré l'article de journal, j'ai fait, oh, OK, il y a une possibilité de pouvoir justement accéder à ce milieu-là. Et c'était pas resté dans un coin de ta tête, par exemple, quand tu as déménagé ici, est-ce que tu n'avais pas regardé par toi-même ou fait des recherches peut-être sur Internet pour voir s'il y avait une école, ou bien tu avais mis un peu ça de côté, ou tu n'avais pas vraiment pensé sur le moment? Ben, en fait, l'idée dans ma tête était tellement acceptée que j'en ferais jamais, que j'ai Ok, même pas, je te dis, j'ai même pas eu le réflexe de me dire, oh, ben, peut-être que je regardais la ouais. Ok, ouais. WWE, tu sais, c'était pas mal ça, Raw, SmackDown, les pay-per-view quand il y en avait. Donc, j'ai jamais recherché n'importe quelle fête. Donc, c'est vraiment quand mon père m'a montré l'article que là, il y a vraiment une porte qui s'est ouverte où j'ai appris ben, l'ALE, j'ai appris la GEW à Green Bay, j'ai appris NCW et tout ça. Donc c'est vraiment à ce moment-là que la porte s'est complètement ouverte. Bah écoute, maintenant tu arrives à bien t'en sortir quand je vois ce que tu fais Merci. dans le ring. Et d'ailleurs, dans le catch, le catch, ça recouvre beaucoup d'aspects. Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes et que tu n'aimes pas dans le catch, en tant que catcheur?
Ah, mon Dieu, ça c'est une excellente question. J'aime tout ce qui est relié à la foule. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui paye, et mon oncle d'ailleurs une fois m'a dit une phrase qui ne me quittera jamais à la lutte, il m'a dit, pourquoi est-ce que je paierais pour aller voir le boulanger du village affronter le boucher du coin de la rue? Et c'est là que je me suis dit, ok, mais au début, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je comprenne que... Mais il veut voir, tu sais, parce que lui, il me parlait de Big Show, Great Khali, et tous ces géants-là. Et il me disait, OK, donc tu veux voir du monde qui sont, et ben, qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, ce n'est pas des gens que tu peux croiser dans la rue normalement, entre guillemets. Et c'est ça que j'aime. Tu sais, j'ai la chance d'avoir une gimmick très forte, comme je le disais. Donc, j'ai jamais pas de réaction. Et pas de réaction, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément du bruit, mais il y a toujours une réaction de c'est qui ça? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Je ne le sais pas. Il fait un haka à l'entrée. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne sais pas si c'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est cool. Donc j'aime beaucoup ce rapport à la foule-là. Puis pour moi, c'est super important qu'un spectateur ait pour son argent. Tu sais, c'est même pour ça que j'ai commencé à m'entraîner et tout. C'est vrai que tu as un personnage qui est quand même pas mal je sais pas si excentrique est le bon mot à employer, mais unique, je dirais plutôt, par rapport à d'autres catcheurs, par exemple. Ouais, bah, tu sais, Et je pour trouve moi, ça a été un long processus aussi, parce que je demandais à tout le monde, à mes coachs, tu sais, j'étais entraîné à Sherbrooke par Patriot Séguin et Simon Easton, et je leur demandais aux deux, tu sais, comme, c'est quoi un bon catcheur? Qu'est-ce qui fait un bon catcheur? Tu sais, comment est-ce que vous faites pour sortir votre personnage? Comment est-ce que vous faites pour... Et ils m'ont juste dit, bah, c'est ta personnalité, mais fois 1000. Je suis comme, c'est ok, ça. mais... C'est quoi ma personnalité? Et à ce moment-là, j'avais, vu que je viens d'une île, j'ai des amis qui m'embêtaient un petit peu, mais tu sais, m'embêtaient gentiment avec ça. Comment, tu sais, est-ce que vous avez l'eau potable? Est-ce que vous avez l'électricité? Est-ce que tu te déplaçais de liane en liane pour aller à l'école? Tu sais, des petites boutades de même que je rendais aussi gentiment. Et à un moment, je tombe sur un match des All Blacks au rugby, équipe que j'adore, et je vois le haka. Mais l'épiphanie, je me dis, oh mon Dieu, je prends. Pas ma personnalité, mais tous les clichés des îles, je pousse ça à 2000 et ça donne bah, justement le guerrier avec le maquillage, ça donne le guerrier avec la danse et tout. Et après, je développe là-dessus. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est important que la foule qui vient reparte, pas forcément se disant ah oh, bah Mundo, il a fait le meilleur match de la soirée ou Mundo, tu sais, mais c'était le fun à regarder. Genre. Je m'en fiche si j'ai fait un mauvais match, je m'en fiche si j'ai fait un bon match pour moi en tout cas, parce que on se dit tous à la fin comme oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire ça, alors que la foule n'a rien remarqué, puis elle est juste comme c'était chouette. Donc pour moi, c'est important que la foule reparte en se disant bah, j'ai juste eu du plaisir et c'était agréable à regarder. Pour moi, c'est ça que j'aime. Et le classique, c'est quand des enfants viennent me voir, c'est un petit peu timide, ils savent pas trop, comme ah, excuse-moi, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Oui, c'est sûr que oui. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et après chaque show, j'essaie de ranger un petit peu les chaises, ou etc. C'est pour aider l'équipe aussi des montages de règles, parce que ben, ils ont travaillé aussi, veut pas. Et je vois beaucoup de gens des fois qui hésitent à venir me voir parce qu'ils ne savent pas, ben, j'imagine comment je vais réagir ou quoi que ce soit. Mais s'il y a une chose que je fais à chaque fois et que j'aime faire, c'est vraiment prendre le temps avec les gens, ceux qui veulent discuter, ceux qui veulent prendre des photos ou signer quoi que ce soit. Moi, c'est quoi, ça me fait toujours super plaisir. Ouais, et ça, je le disais aussi, je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais c'est super important. Ben, je pense que c'était avec Marc-André dans le podcast, d'avoir cette connexion avec le public et que ça ne s'arrête pas uniquement à ton combat en lui-même, mais aussi après, quand tu as l'occasion de rencontrer les gens, que ce soit à l'intermission ou même après le show, il faut leur donner de notre temps, quoi. Exact. Bah, tu sais, tu parlais de choses que j'aime. Moi, j'ai la chance, justement, avec ma gimmick, les gens viennent rarement me voir pour me dire, hey, beau match, c'est plus, hey, ton entrée, c'est génial. Donc là, je suis, oh, bah, merci. Donc, c'est pour ça que moi, je sais que, on s'entend, je m'arrange pour faire un bon match quand même, mais la plupart du temps, les gens retiennent l'entrée. Ce qui se passe entre, généralement, c'est plus mon partenaire de danse que les gens vont remarquer la lutte. Moi, ils gardent l'entrée en tête. Ou la musique aussi. J'ai souvent eu des messages pour me dire, c'est quoi le nom de ta musique? Il faut que j'aille l'écouter. Okay, tu sais, je te l'envoie. Mais tu sais, et c'est pour ça aussi que tu sais, moi, j'ai commencé à m'entraîner au gym à cause de ça. On ne se le cache pas. Je pense j'avais 18 ans quand j'ai levé sérieusement ma première paire d'haltères. Donc forcément, il y avait un petit peu l'aspect fille aussi qui est entré en jeu.
mais c'était principalement pour le catch, parce que je me suis dit, justement, avec ce que mon oncle il me disait, je me suis dit, tu sais, le spectateur qui paye, il veut voir du spectacle, il veut voir du show. Donc, si tu ressembles justement au petit gringalet, ben, tu sais, ressembles à son voisin, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et il y a aussi, encore une fois, comme je disais, le côté sécuritaire, parce que plus tu es fort, plus tu es stable et plus tu connais ton corps, ben, plus tu es capable de faire des affaires et plus la personne en face de toi, tu sais, est sécuritaire avec toi. Donc, ça, c'est des choses que j'adore aussi. Puis, pour répondre à ta question, ce que j'aime moins, il n'y a pas beaucoup d'aspects, tu sais, malheureusement, c'est plus au niveau de l'attitude de certaines personnes. Tu sais, on est dans un sport où, je vais jamais dire faux ou fake, mais qui est scripté. Donc, je trouve qu'il y en a, puis à tous les niveaux, hein, je veux dire, je vise vraiment personne, je vise vraiment at large. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui se prennent un petit peu trop au sérieux ou qui oublient qu'ils ont une gimmick et qui devraient rester un être humain aussi à côté, parce qu'il y en a qui vivent leur gimmick à 200%, ce qui est OK aussi. Puis, honnêtement, quand je dis ça, je parle de monde qui n'ont pas forcément le pédigré ou la carrière pour pouvoir justement agir d'eux-mêmes. En tant que booker, metteur en scène, j'en ai fait les frais aussi de monde qui se pensait vraiment très très haut. Je te dis, hein, pour la petite anecdote, j'étais aux études, j'étais au cégep pendant que j'étais metteur en scène. Et une fois, j'étais en cours d'économie. Je te dis, ça m'a marqué. Mon téléphone commence à vibrer parce qu'on a publié la carte du prochain show. Ça vibre de partout. Moi, je suis en cours, je suis comme, hey, est-ce que quelqu'un est mort? Donc là, je regarde discrètement, puis je vois que c'est des questions. Oh, pourquoi j'ai tel match? Oh, ben non, je ne peux pas perdre. Oh, mais non, je suis comme, aïe, hey, je te réponds plus tard, tu sais, je suis en cours. Ça, Oh, mais. c'est vraiment un sujet intéressant à développer de ta petite partie où tu as été booker là, parce que il y a plein de choses que on penserait pas forcément, je pense. Ah, Nous, en tant que catcheur, enfin, moi personnellement qui est catcheur, qui n'a jamais été booker, je serais curieux de savoir un petit peu le behind the scene d'être booker, on va dire. mais tu sais, j'imagine que ça dépend aussi de chaque personne. T'sais, chaque personne doit avoir clairement une expérience de booker différente. Et il y en a qui sont bah, bien meilleurs que les autres. Je pense justement à Michael Stipe de la NSPW, qui fait un travail de booking, mais c'est énorme ce qu'il fait. On connaît la TUW avec Anthony, qui a aussi des idées artistiques. Pour moi, la TUW, en termes de présentation visuelle, présentation sonore, parce que Tony est un génie, Production. elle met honnêtement une petite claque à pas Ils mal sont toutes les au-dessus de tout. fêtes, Là, clairement. c'est pas parce que je travaille pour la TIW, mais c'est une réalité. Tu sais, quand tu vois ce qu'ils font en termes de production, ils sont au-dessus de tout le monde, vraiment. D'ailleurs, Alors toi, ils ont sorti leur, ils ont fait comme un mini court-métrage ici il y a quelques jours. J'ai vu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. C'est super. Donc, il y a d'ailleurs, tellement. j'encourage les gens qui vont regarder ce podcast. Bon, j'en avais déjà parlé dans des vidéos que j'avais faites précédemment, mais d'aller voir le travail de la TUW. Et tu vois, je lutte aussi pour la NCW en ce moment, et le metteur en scène, c'est Jeff Rasset. Et j'aime beaucoup sa façon de travailler aussi parce qu'il va te guider de manière plus précise sur qu'est-ce qu'il veut. Donc, tu sais, admettons, je te donne un exemple, tu vas dire, oh, bah, à tel moment, Mundo revient dans le ring et fait tel move pour justement avancer l'histoire. Donc, il y a cette facette-là aussi. Tu sais, toutes les fêtes ont un point fort. Qui dépasse clairement tout le monde. Il y a toutes les fêtes dans ça. Donc, des fois, je trouve ça dommage aussi, tu sais, les petites guéguerres entre fêtes de qui est la meilleure, qui est la plus Ça hot, tout ça. a toujours été ça, le catch. Ça a souvent été ça, le catch. Que ce soit les histoires d'ego entre fed, mais aussi entre catcheurs, parfois. Ah oui, bah oui. Et d'ailleurs, je te rejoins là-dessus aussi. Ça fait partie aussi des choses que j'aime un petit peu le moins dans le catch, c'est cet aspect-là. Il y a un côté très politique, je trouve. Par contre, de moins en moins, je trouve que je vais dire les jeunes, je me considère jeune encore, mais je trouve que la nouvelle génération de lutteurs, tu sais, je pense à Next Level, je pense à Jake Madison, je pense à Mikey Thunder, je pense à des gens comme ça qui arrivent et je trouve qu'ils ont vraiment un esprit cool de bah, on veut lutter, t'es cool, on va te parler, on va être ami avec toi, etc. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y a 10 ans, on me disait, quand tu rentres dans un locker room, tu serres la main à tout le monde. Je suis bon, Pareil, mais quelqu'un qui fait pareil. de l'anxiété sociale ou qui est timide ou qui est, tu sais, juste impressionné par ça,
sais, je me rappelle ma première fois à la NCW, j'étais dans mon coin parce que bah, c'est la première fois que je sors dans une grosse fête. Tu sais, on m'avait toujours dit la NCW, à cette époque-là, c'était vraiment le top. Puis elle est encore dans le top des fêtes au Québec. Donc, tu sais, moi, j'arrive là-bas, je vois plein de noms que j'ai juste entendu parler. Puis, je te dis, j'étais intimidé. Donc, je reste dans mon coin. Ça a pris 5 minutes. J'ai un de mes amis qui vient me voir et me dit, ouais, faudrait que tu ailles faire le tour parce que les gens pensent que tu as la grosse tête. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir peur aussi? J'ai 18, 19. Je me retrouve devant des gars qui ont genre 25, 30. Ça fait 15 ans qu'ils font ça. Est-ce que je peux avoir un petit peu peur, puis juste déstresser un petit peu avant d'aller faire le tour? Donc, tu sais, il y a cet aspect-là aussi qui disparaît parce que, bah, tu sais, il y a une certaine camaraderie maintenant. Je prends encore l'exemple de la TU. C'est très rare que j'arrive dans une place et on dirait que je suis là depuis 5 ans. Tu sais, je suis arrivé. Anto, justement, il me regarde. Hey, comment ça va? Content de t'avoir avec nous et tout. Puis, tu es bien. Ouais, ben, merci. Jeff Rassett aussi à la NCW qui me fait à chaque fois me fait des accueils. Tu sais, je te dis, ça me flatte vraiment parce que je suis comme, ben, merci. Tu sais, techniquement, je ne te rapporte pas de billets parce que tu sais, moi, je n'ai pas de famille. Ben, techniquement, j'ai de la famille au Québec, mais vraiment un petit peu qui ne va pas voir le catch. Mes amis sont pour la plupart du temps à Sherbrooke. Donc, tu sais, dès que c'est Thetford, La Beauce et Sainte-Thérèse ou ce coin-là pour la NCW, je ne vends pas de billets. Donc, moi, quand les gens arrivent, ils me voient, hey, ça me fait plaisir de te voir. Tu sais, je suis content de ça. À chaque fois, je suis comme, waouh! C'est pour ça aussi que j'adore quand les fans viennent me voir parce que ben, je sais que j'ai connecté, je les ai touchés. Parce que ce n'est pas un de mes amis ou de ma famille qui vient me voir comme, hey, tu sais, beau match, on se voit lundi. C'est vraiment du monde que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui ont pris un 5 minutes pour se dire, bah, j'aime bien ce qu'il fait et c'est cool ce qu'il fait, donc je vais aller le voir. Mais tu sais, c'est vraiment plus avant, comme je disais, tout ce qui était ego, qui, je trouve, gâchait un petit peu l'ambiance un petit peu dans une fête. Ouais, après, heureusement, ça reste quand même une minorité, je pense, parce que la plupart du temps, ça se passe très bien, il y a toujours une bonne camaraderie de manière générale. C'est sûr qu'on va avoir plus d'affinité avec certains catcheurs que d'autres, mais sans pour autant ne pas être respectueux avec les autres catcheurs. C'est juste que voilà, on a Bah, tu sais, je veux dire, c'est comme dans ton travail. Il y a des gens avec qui tu Exact. t'entends bien, il y a des gens avec qui tu t'entends très bien, mais il n'y a aucun moment où tu dois, ben, je sais pas si je dois dire bon, mais il n'y a aucun moment où tu dois envoyer chier quelqu'un ou lui manquer de respect ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est tous là par passion. Il n'y a personne qui a envie, surtout au Québec. Je ne sais pas en Europe comment ça se passe, mais au Québec, il n'y a personne qui vit du catch. Donc pour moi, c'est insensé que quelqu'un manque de respect. Et t'sais, personne ne m'a jamais manqué de respect. Je ne manquerai jamais de respect à personne parce que, ben, on fait tout ça par passion. C'est pour le plaisir qu'on est là, puis pour donner un show aux fans. Donc, c'est comme tu dis, c'est une minorité, et heureusement, parce que sinon, je sais que j'aurais déjà arrêté aussi. Ouais, c'est ça. Le but après tout, c'est de s'amuser, quoi. C'est vraiment le plus important dans la scène indépendante, quoi. D'ailleurs, toi, est-ce que tu suis un petit peu l'actualité du catch en ce moment? Est-ce que tu regardes quel type de fédération tu regardes? Ben, je vais te dire, après, je suis un gars de WWE, tatoué sur le cœur jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Pareil, Et exactement pareil. je me tiens informé de ce qui se passe. J'ai des petits échos de la AEW. Mais tu sais, c'est pas mon style c'est pas mon style de catch, parce qu'il y a des styles de catling aussi. J'ai des échos de ce qui se passe, je sais un petit peu, mais pareil, si tu me demandes qui est le champion, je serais incapable de te le dire, tu sais, j'ai juste des échos. Donc, tu sais, moi, c'est vraiment plus la WWE, et tu sais, c'est pour moi, ça reste la plus grosse fed mondiale. D'ailleurs, Absolument. je dis fed, en fait, je veux dire, c'est la plus grosse entreprise de catch au monde. Tu sais, ils ont une machine derrière eux qui permet, ben, justement d'avancer. Et je pense que n'importe quel catcheur serait un petit peu hypocrite de dire qu'en commençant, il ne s'est pas dit, je vais aller à la WWE. C'est impossible. Tu Ouais. sais, même moi, le premier, hein, je veux dire, j'ai vu Taker, je suis comme, oh mon Dieu, ma storyline, je vais être le fils de Undertaker quand je vais arriver avec un chapeau genre blanc. Tu sais, quand j'avais 11 ans, c'était ça mon rêve de storyline. Finalement, tu grandis, tu te dis, ouais, peut-être pas la meilleure chose. Mais non, non, la WWE, c'est pour moi, ça reste le rêve de tout bon catcheur. Et surtout avec NXT aussi, qui permet d'avoir un autre style de lutte, justement, comme je le disais.
Donc, tu sais, après, c'est de savoir plus qu'est-ce qui te plaît. Encore une fois, pour moi, la guerre AEW, WWE, créée par les fans, n'a pas lieu d'être. Non. Et au contraire, comme tout le monde dit, plus tu as de compétition, mieux c'est pour les catcheurs, justement, parce que tu as plus de diversité. Puis les gens derrière qui te supportent de tout ce qui est booker, etc., bah, sont obligés d'augmenter aussi leur capacité, leur efficacité. Donc, tu sais, il y a plein de choses comme ça, mais je te dirais que je ne suis pas le plus regardant sur la lutte. Tu sais, je vais regarder des gros pay-per-view. C'est comme bah, là, Money in the Bank, je n'avais pas prévu de le regarder jusqu'à ce que je vois l'annonce que Triple H disait que le landscape de la WWE allait changer complètement, de devenir habillé en blanc. Donc, forcément, ça pique la curiosité. Donc, là, j'apprends que Cena part à la retraite. Waouh! Donc. Ouais, je m'attendais pas à celle-là. Non, mais tu sais, on arrive dans un moment aussi où bah, nos héros d'enfance de catch commencent à quitter tranquillement. Tu sais, je pense à Randy Orton qui dit que lui peut lutter encore 10 ans. Donc, tu sais, on l'a pour encore au moins 10 ans. Mais pareil, tu sais qu'à un moment donné, bah, il part à autre chose. Et j'ai eu la chance aussi avec la RLE à Sherbrooke d'aller visiter des écoles ou des camps de jour pour des enfants. Et quand je leur demande, bah, écoute, tu sais, c'est qui ton catcheur préféré? Ah, oh, c'est Finn Balor. Ah, oh, c'est si, c'est ça, je suis homme. Il est où John Cena? Pourquoi il n'y a personne qui dit John Cena maintenant? Donc, on est complètement dans une autre génération de catch. Et il y a ça aussi, je pense, qui est important de garder en tête, c'est que on peut plus. Ben, en fait, c'est pas vrai. On peut mélanger les deux, les différentes périodes. Tu sais, comme tout le monde va te dire, oh, ben, une promo durant l'Attitude Era, c'était la meilleure. Sûr. Ou est-ce que c'était pas juste parce qu'il se permettait d'insulter les gens avec des mots plus crus? Mais est-ce que les promos avaient vraiment plus de profondeur? Il y a des fois, je ne suis pas sûr non plus. Donc, tu sais, c'est juste de mélanger un petit peu tout ça pour te créer, entre guillemets, en tant que catcheur. Mais admettons quelqu'un qui commence ou qui veut commencer, pour moi, c'est important qu'il regarde un petit peu qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et une fois qu'il a trouvé son identité de catcheur, là, tu peux te permettre de dire, oh, bah, tu sais, la WWE, parce que je confonds toujours avec la Fed à Chicoutimi, c'est All Elite Wrestling. C'est la EW. La Si tu parles EW. de la concurrente de la WWE, c'est ça? Exact. Donc, tu sais, il y Ouais, en a qui vont AEW. dire, y en a qui vont dire, bah, l'AEW, c'est plus mon style de lutte, donc je vais me prendre sur eux, la WWE un peu moins. C'est correct. Il y en a qui vont dire, c'est New Japan, il y en a qui vont dire, c'est la lutte au Mexique, ou alors pour les Européens, c'est ce qui se passe en Europe en général. Mais au début, je pense qu'il faut vraiment que tu regardes un petit peu tout pour savoir, ok, ça c'est plaisant, ça a l'air cool, ça a l'air trop dangereux, je ne le fais pas. C'est important quand même d'avoir l'œil et surtout l'esprit ouvert parce que ça reste un sport, mais ça reste un art aussi. Donc, en tant qu'artiste, si tu es fermé d'esprit, tu ne te développeras jamais. Ah ouais, absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit peu la même chose pour moi. J'ai toujours été, j'ai découvert le catch déjà grâce à la WWE. Donc la WWE, on va dire une place importante dans mon cœur, si je devrais utiliser des mots, des mots doux. Mais ouais, j'ai regardé la EW. Et ici dernièrement, ils avaient un pay-per-view Forbidden Door. Généralement, je regarde pas AEW parce que c'est pas vraiment un type de produit dans lequel je m'identifie et que je suis pas forcément fan. Et ça a été le cas quand j'ai regardé le pay-per-view. Je fais ouais, c'est une différente mentalité. J'ai l'impression, moi, je me retrouve mieux dans la WWE, là où j'ai l'impression qu'ils mettent plus leur énergie sur vraiment le storytelling, sur le divertissement, sur les histoires et tout ça. Je sais pas, je me retrouve mieux là-dedans. Et c'est d'ailleurs un type de catch que moi, j'aime faire, c'est ça. Après, évidemment, si on me propose un contrat à l'AEW, je vais probablement pas refuser, hein, on va pas se le cacher. Mais on a toutes nos petites préférences. Et d'ailleurs, tu sais, dans le catch, il y a tellement énormément de choses à regarder, c'est que c'est impossible de tout suivre. C'est vraiment impossible. Bah, tu sais, je rebondis sur ce que tu disais justement, tu sais, où c'est pas ton style et que tu rejoins à moi. Tu sais, quand tu es jeune et que tu commences le catch, tu te dis, ah, je vais faire un Shooting Star Press, Canadian Destroyer, on va se relever, puis on va faire genre un Parallel Drive. Parce qu'on est jeune, le corps suit beaucoup plus. Je dis ça comme si j'avais 40 ans, mon Dieu. Mais tu sais, le corps suit beaucoup plus, tu es moins magané, tu es moins abîmé, comme on dit. Donc, tu sais, tu peux te permettre de faire tout ça, mais en revenant de la pandémie, c'est là que je me suis dit, ok. Je vais plus construire ma séquence. Bah, en fait, je vais construire ma séquence autour du move final
plutôt que de construire mon move autour de ma séquence finale. Tu sais, quel move va me permettre de faire la transition que je veux et d'avoir l'effet escompté? Parce que j'ai remarqué, après pareil, ça dépend du type de foule où tu vas, mais il y a beaucoup de personnes qui réagissent une fois que tout est bien construit. Que tu fasses un body slam ou un Canadian Destroyer, pour eux, ça revient au même. Si tout a bien été amené, le move explose. C'est ça, parce qu'on on a tendance parfois à trop... je ne sais pas pourquoi j'ai le mot en anglais, overcomplicated, se mettre trop de complications quand il s'agit de faire un match de catch, alors que parfois, tu sais, les gens, ils ne s'attendent pas. Tu sais, tu vas faire la moitié de ce que tu veux faire et tu auras la même réaction que si tu voulais faire une full séquence qui n'a pas forcément lieu d'être. Et c'est ça, moi, j'essaie vraiment... Et même parfois plus. Ouais, dis-moi. Parfois, tu as même plus de réactions parce que la foule a eu le temps de digérer ce que tu lui sers. Alors que si tu fais juste te donner à manger, au bout d'un moment, elle fait je vais vomir. Ouais, exact. Ouais. Donc, et parfois, ouais, on n'a pas besoin de faire toute une. De trop exagérer pour que ça fasse mouche, quoi, et que les gens réagissent, tout simplement. C'est pour ça que j'ai un peu du mal parfois avec le super indie. Ben, c'est ça que j'ai un peu l'impression de retrouver à la AEW. C'est pour ça que j'accroche pas vraiment à ce type de produit, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui me ressemble. Et parfois, je trouve que c'est un peu trop exagéré. Ils vendent pas, il n'y a pas de selling. Et le selling, je trouve que ça reste super important dans le catch, quoi, pour pouvoir exprimer aussi continuer à raconter une bonne histoire, mais aussi à exprimer des émotions. Ouais, ben, tu sais, moi, je suis un gars de gimmick. C'est pour ça que j'ai une gimmick forte. C'est pour ça qu'Undertaker reste. Et restera mon catcheur préféré. T'sais, j'ai adoré Bray Wyatt, j'ai adoré Kane, mais par contre, je regardais le Royal Rumble avec mon ancien coloc, et lui, il a accroché sur Ricochet. Parce que c'est impressionnant, il vole de partout, et ça en prend. T'sais, je veux dire, si tu mets 20 matchs où c'est que des Kane contre Undertaker, ça se peut qu'au bout du troisième, je trouve ça très long. Et le problème pour moi de regarder justement des fêtes comme la AEW, c'est que au bout du 20e dive, il y a moins d'impact. Alors qu'à l'époque, à la E, quand tu avais un dive, tu en avais un par show. Et là, tu faisais, OK, lui, il est complètement différent. Tu sais, je pense à Rey Mysterio, justement. Et on a de très bons high flyers au Québec qui, pour de vrai, mériteraient d'aller dans tout ce qui est TNA, AEW, etc. On en a de très, très bons. Le problème, c'est que quand tout le monde fait un suicide dive, je trouve que ça perd son importance. Et surtout, tu sais, j'ai vu des big guys faire des suicide dives. Je suis comme, tu viens de tuer le suicide dive du gars qui fait deux fois moins ton poids. Je ne sais plus c'était qui. Il me dit, je vais faire un moonsault de la 3. Je suis comme, OK. Je ne sais même plus c'était où non plus. Il me dit, je vais faire un moonsault de la 3. Je suis comme, OK, pas de problème. Et j'entends dans l'autre match un gars qui devait faire genre 150 livres gros maximum, qui dit je vais faire un moonsault de la 3. Fait que je suis allé voir le gars, je dis tu peux pas le faire parce que tu vas tuer la crédibilité de l'autre, parce que moi je vais kick out, mais l'autre là-bas c'est son finish, donc tu sais, on va trouver autre chose. Donc je trouve qu'il y a cet aspect là aussi où il y a encore, et encore une fois, tu sais, je veux dire, des fois c'est l'inexpérience aussi, où tu arrives et tu veux faire les plus beaux moves parce que tu veux que les gens te regardent et fassent oh waouh, mais derrière, non seulement tu n'as pas l'effet « wow » que tu veux mettre, mais en plus, tu perds en crédibilité parce que l'autre, il l'a fait mieux que toi, ou il est plus gros, et lui, ça a marché ou ça n'a pas marché, donc ton move, il perd un petit peu. Donc, moi aussi, j'aime ça, regarder les shows. Donc, tu sais, je pense à la télé, encore une fois, où il y a des télés, des fois, backstage, où on peut voir le show, ça me permet de m'adapter tout de suite sur le fly. « OK, ils ont fait ça. » Je risque de perdre en crédibilité, ou alors la foule l'aura déjà vu, donc il y aura moins d'impact. Donc, tu sais, ça permet de changer aussi. Et c'est important aussi, tu sais, justement, comme je disais, de garder l'esprit ouvert. C'est important d'avoir cette adaptabilité-là, de pouvoir changer vraiment quand tu es sur le ring. C'est un des meilleurs exemples, puis je rigole parce que c'est une des meilleures foules que j'ai jamais faites de ma vie. On luttait au Shazam Fest en Estrie, qui est un festival. C'est hippie, vraiment. C'est à air ouverte, tu arrives et tu sens l'herbe de Dieu à air ouverte. la fameuse herbe de Dieu. Exact. Et moi, je suis supposé être heel. Et mon meilleur ami que j'ai rencontré grâce à la lutte est supposé être face, c'est le champion et tout. Et à un moment, je lui dis,
je pense que je vais être face. Il me dit, ah ouais, je dis, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la foule va switcher. Il me dit, bah écoute, on monte le match comme si tu étais heel et moi face. Je dis, parfait. Donc, on monte le match, je sors immédiatement. Je fais, ah shit, parfait. Bah, je viens d'être le face du match. Et mon ami, qui pourtant n'a rien fait, sort énergique. Tu sais, il avait une gimmick de boxeur à ce moment-là. Sort ultra énergique et tout. Se fait huer, mais copieusement. Mais Oh vraiment, merde. les enfants et tout. Ça aussi, c'est un autre sujet. Les enfants à la lutte, je trouve ça hilarant. Parce qu'ils sont là à 5 ans à te faire lire entre les lignes pour pas faire le geste, etc. Des fois, je te dis, j'écoute, mais je fais, mais mon Dieu! Et j'ai des parents une fois qui me disent, tu sais, on vient juste à la lutte, puis on leur permet à la lutte, mais pas en dehors. Moi, je suis, ah, si tu le permets à la lutte, c'est sûr qu'à l'école, il fait pareil. Et ça, tu sais, c'est pareil, c'est encore une fois, je reviens au Shazam, tu sais, c'est le pouvoir d'adaptabilité où sur le match, bah, tu peux dire, OK, bah, on switch complètement. Et je reviens avec mon match contre Marc-André. On planifiait un match. Écoute, je stressais ma grande race. Parce que je suis contre un gars que j'admire et que je respecte énormément et contre qui je ne veux pas me chier parce que bah, tu sais, je veux dire, on comprend qu'il a un poids dans la lutte au Québec. Je stresse et tout. Ma musique, c'est pas une blague, ma musique part, il me regarde, il fait ah, au fait, je me suis opéré à la jambe donc si jamais ma jambe lâche, c'est toi qui vas en veux. Bon match, hein. Et je rentre. Encore une fois, typique Marc-André. Écoute. Le temps que l'information processe, parce que tu sais, t'es vraiment focus dans tes affaires, l'information est arrivée à mon cerveau quand j'étais dans le ring. Donc là, je fais, comment ça, si ta jambe lâche? De quoi tu parles? Surtout que tu sais, Marc-André, quand il vient à Sherbrooke, il aime ça changer un peu la règle. Donc tu sais, c'est supposé être un match normal. Finalement, on part sur un match sans disqualification et tout. Je suis comme, je sais, peut-être avoir prévu avant un plan B ou de... Non, non, vraiment. Et, en fait, si ma jambe est bon match, quoi? C'était quoi? C'était à l'ALE, ça? Ouais, exact. Tac. C'était à Ok. G 2019, si je dis pas de bêtises. Ça a dû... Et finalement, ça va, la jambe n'a pas lâché? Par chance, non. Et le pire, c'est que tu sais, c'est moi qui étais. Petite anecdote sur ce match-là aussi, c'était moi qui étais le metteur en scène. Et Vas-y, donc, je vais le tant qu'on voir. est dans les anecdotes, vas-y, laisse-toi. Je vais le voir et je lui dis, oh, tu sais, il va se passer ça pour le match parce qu'il ne savait pas que c'était moi le booker. Je lui dis, il va se passer ça pour le match. Puis tu sais, tu vas over. Il me regarde et il me dit, c'est qui a eu cette tabarnak d'idée de marde là? Oh merde! Fait que là, moi, je fais. Je sais pas. Il me regarde. Voyons, tabarnak. Tu sais, il part. Il part. Mais non, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Genre, non, non, je suis l'invité. Je suis comme, non, non, tu sais, c'est parce que ça va servir à une histoire pour la suite, tu sais, pour la prochaine saison et tout. Ça a été extrêmement compliqué de le convaincre de ne pas aller over. Je suis comme, mais on est dans un monde complètement à l'envers. D'habitude, il faut que je convainque le monde que c'est correct que tu ailles over parce que j'ai besoin de ça pour l'histoire. Lui, non, 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 il fallait que... Je suis comme, non, non, c'est correct. Et il me dit, parfait, mais je ne veux pas gagner clean. Je veux dire, c'est, j'avais entendu une fois une histoire de. C'était Big Show. C'était le Big Show. Il venait d'arriver à WWE, donc c'est pareil, il sort de Giants, on s'entend, il est imposant comme ça se peut pas. Et donc, il avait dit que bah, pour lui, il pouvait knock out n'importe qui, ce qui est vrai. Et Vince McMahon le faisait perdre contre Stone Cold Steve Austin à répétition. Et à un moment, il a dit, ben bah, ouais, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore mérité le droit d'aller over sur Austin. Et avec l'histoire que j'avais en tête pour la prochaine saison et tout, moi aussi, j'étais comme, ben, j'ai pas de raison d'aller over sur un gars du calibre de Marc-André parce que ben, j'ai pas le pédigré pour ça. Et au contraire, une défaite peut me servir aussi à raconter une autre histoire complètement par la suite. Ce qui a marché dans ce que je voulais faire. Mais non, ça, c'était hilarant. C'est vraiment, qui a eu cette idée-là? là là, ben ouais, mais après, tu sais, ça va, c'est vraiment le booking. Souvent, c'est comment on monte un booking qui construit ou détruit une personne. Le booking, je trouve, c'est vraiment super important. Un bon exemple que j'ai là, que je regarde, que j'ai ici,
si je dois prendre la WWE. J'avais du mal au début avec Solo Sikoa. Je sais pas si tu vois un petit peu ce qu'il fait en ce moment. Donc au début, il était l'assistant, on va dire, de Roman Reigns, plus le enforcer, qu'ils appellent ça en anglais, de Roman Reigns. Et à ce moment-là, j'avais du mal. Je me dis, ouais, je sais pas s'ils vont faire quelque chose ou grand-chose avec lui. Et maintenant, l'histoire qu'ils sont en train, le booking et l'histoire qu'ils sont en train de faire avec lui en ce moment, je suis là, c'est merveilleux. Et c'est là justement où ça a un lien avec le booking, de comment tu vas établir un catcheur, ça peut vraiment lancer des carrières comme ça quand tu fais des bons bookings, quoi. Bah, tu sais, tu parles de Solo Sikoa, justement, toute l'histoire de la Bloodline, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. N'importe quel booker devrait prendre exemple sur ça. On s'entend pas recopier exactement, mais le procédé, puis la chair autour de l'os, et le fait qu'ils aient réussi à faire tourner Reigns face sans qu'il soit là, mais Ouais. c'est de la magie. Normalement, un face turn ou un heel turn, donc devenir méchant, gentil pour ceux qui connaissent pas les termes. Faut que tu sois là, tu es obligé d'être présent. Et ils ont réussi à faire avec Reigns ce que je pensais même pas possible. Du jour au lendemain, les gens se sont mis à acclamer Roman Reigns. Et avec Solo Sikoa, qui maintenant bah, prend la position de chef de tribu et tout, bah, ils arrivent à amplifier ça. C'est du génie. Donc, comme tu dis, Sachant que Roman Reigns a été le heel, le gros heel, le gros méchant pendant 3 années d'affilée, et que là ils arrivent à le faire tourner face sans qu'il soit même présent, ça veut dire que le booking en ce moment, ce qu'ils font pour établir la nouvelle Bloodline, ça marche super bien. Ben, tu parles de. Pour moi, Roman Reigns était heel, mais le heel cool à son insu. Bon, c'était pas voulu, mais Roman Ouais. Reigns a. J'ai regardé son match contre Sami Zayn à Elimination Chamber à Montréal. Pour moi, c'est un match clinique de comment agir en heel dans un match. Reigns est très méthodique, t'sais, il est très lent, prend le temps. T'sais, il est là, un punch, il regarde la foule, qu'est-ce que vous voulez, etc. C'était pour moi, j'ai fait, je te dis, je suis allé prendre des notes, j'ai fait, ok, parfait, heel, on agit comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui m'a fait prendre conscience que, Roman Reigns, il rentre, tout le monde a le doigt en l'air. Même moi, j'étais devant la télé, je me lève, j'ai le doigt en l'air parce que Bloodline et tout. Et ça que je trouve dommage maintenant, c'est que tu n'as plus de gros heels. C'est des heels que vraiment, lui, je veux pas le croiser dans la rue. Il y en a certains, comme je disais, pour Roman Reigns, je pense que c'est contre son insu, parce que je pense qu'il a tellement un charisme, et surtout, comme beaucoup de monde l'ont dit, je dis ça comme si j'étais expert de la lutte, c'est absolument pas vrai, mais tu sais, je pense qu'il a vraiment trouvé. Moi, je suis un vendu Reigns depuis l'époque Shield, je tiens à le dire. Donc, moi, Shield, Big Dog, Tribal Chief, tout, moi, c'est depuis le début. Mais c'est vrai que le Big Dog, son personnage du Big Dog, ça n'a pas été facile de défendre tous les jours. Il y Parce que, avait ben, une période où les gens, ils en avaient un petit peu marre de le voir, je pense. mais par contre, je trouve ça super intéressant de pouvoir analyser justement, puis même, encore une fois, pour ceux qui commencent le catch, ou tu sais, même ceux qui sont arrivés à un certain niveau dans leur carrière, qui veulent se réinventer, c'est super intéressant de voir l'évolution de Roman Reigns parce que tu vois le moment où ben, je ne sais pas qui je suis et j'ai trouvé qui je suis. Tu le vois clairement la différence. Les promos étaient magistrales, les matchs étaient magistraux. Donc il y a tout qui a changé et je trouve ça dommage que maintenant les gens. Puis là, je parle du circuit indépendant en général. T'sais, encore une fois, je ne sais pas Europe comment ça se passe, mais t'sais, je vois ça un petit peu aux États-Unis, parce que je suis aussi un petit peu les feds indépendants, où tu as plus de heels qui veulent être heels. Tu as des heels ils veulent être cool, en fait. Donc, t'sais, ils vont faire des blagues. Ils vont. Y a une fois, il y avait une équipe qui s'appelait Timeless. Deux jeunes qui étaient excellent en termes d'high flying et tout. Et je prends le pari en me disant, ben, je vais les turner heel. Parce que, tu sais, ils sont un petit peu baveux et fendants, j'ai oublié les termes en français, arrogants et vraiment des têtes à claque en termes de heel. Mais je leur ai dit, ne faites plus de flip, ne faites plus ça. Parce que ben, les gens vont rester impressionnés. Je sais que ça reste une partie de votre truc, mais en tant que heel, il faut qu'on puisse doser. Un exemple que je donne aussi, c'est Carl Jepsen,
qui m'a appris probablement sans le vouloir énormément de choses. Il me dit, moi, quand je suis ill, je ne sors pas voir la foule. Je suis comme, ah ouais, pourquoi? Il me dit, bah, parce que je suis supposé être méchant. À quel moment c'est crédible que je sorte voir la foule? Ah, bon match, ah, merci d'être venu photo. Bah ouais, let's go. Je suis comme, ah, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Parce que bah, après, la foule revient. Ah, c'est vrai, j'ai pris une photo avec lui la dernière fois, j'ai un lien. Donc, bah, même si tu es méchant, je vais quand même t'applaudir parce qu'il y a un lien qui est autre. C'est vrai. Et je trouve ça dommage que on n'a plus de gros. Le meilleur exemple, c'est Mark Henry. Tu sais, quand il avait fait son Hall of Pain où il détruisait absolument tout, il l'a dit dans une entrevue, il n'y a plus personne qui venait le voir à l'aéroport pour signer des affaires, il n'y a plus personne qui venait le voir. Et honnêtement, c'est ça, je trouve qu'on a besoin. On a besoin de Hearn où les gens se disent, ben, j'ai même pas envie de te voir parce que tu me fais peur. Pas parce que tu es dangereux ou quoi que ce soit, mais parce que tu es méchant. Moi, je veux voir dans le catch, je veux voir Freezer, qui est pas méchant parce qu'il a un objectif, il est juste méchant parce qu'il est méchant. Genre, je veux haïr quelqu'un et j'arrive plus à haïr du monde. En ce moment, avec Solo Sikoa, oui, parce que comme je disais, je suis vendu Roman Reigns, mais j'arrive plus à trouver de heel où je suis comme, je t'aime pas. Ça va juste être un petit peu compliqué de vendre du merch dans ce cas-là. C'est pour ça aussi qu'il y a cette réalité-là et que je comprends absolument, parce que je veux dire, il faut que tu crées un lien justement pour que les gens achètent ta merch. Et il y a quand même du monde qui vont apprécier les heels. Je suis allé voir Femme Fatale, leur dernier show il y a 2 semaines, qui était pour de vrai, respect les filles, très très beau show. Et j'ai une de mes amies que j'avais emmenée parce qu'elle m'avait dit de nulle part, tu sais, ben, j'aime le catch, on ne s'était pas vu depuis longtemps. Je lui ai dit, ben, écoute, tant qu'à faire, on va aller voir le show. Tous les heels de la soirée, oh, elle est vraiment cool, elle. Mais la fille était vraiment heel, elle faisait le travail de heel à la perfection, mais elle, non. Oh, j'aime beaucoup, bravo. Le clan Wicked Ones, qui, encore une fois, Wicked Ones, gros, gros, gros respect. Les quatre, elle était comme, oh, c'est tellement génial. Je suis comme, oh, mais c'est les méchantes, elles me regardent. C'est pas grave, je les aime beaucoup. Je suis comme, ok, c'est intéressant aussi de savoir que même quand tu fais ton travail de heel, tu as quand même quelques personnes qui vont être comme, non, non, c'est toi que j'aime pour une raison X ou Y de juste, bah, tu fais tellement bien ton travail que tu dépasses un petit peu le cadre du heel normal qui est juste, bah, je veux pas te voir. Et c'est ça que je trouve intéressant. Moi, c'est toujours la réaction de la foule. Des fois, tu veux les emmener à une place et finalement c'est eux qui t'emmènent complètement ailleurs parce que bah, ils ont envie de voir quelque chose. Et là, je ne parle pas de ah, on veut des chops qui en passant, je déteste les chops. Ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, des fois, tu te dis, ah, on va faire. Ah, je me rappelle c'était un triple threat à Drummondville. On est avec trois. Bah, je suis avec deux autres gars qui, pour de vrai, tu sais, dans le ring, j'ai 200% confiance en eux. Et on se dit, on va faire ça, 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 et on termine la séquence avec. Je pense que je faisais un move, puis pendant que je faisais un move, l'autre, il sautait sur moi en même temps. Enfin, tu sais, bref, on se retrouvait un triple down. Puis on est comme, hey, c'est sûr qu'avec comment on l'a construit, la foule va exploser. Rien. Rien. Mais quand je Rien. te dis rien, je pense que j'ai entendu quelqu'un éternuer, c'est pour te dire. Et après, en revenant en arrière, je dis, ok, les gars, qu'est-ce qui a raté? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas eu le. Est-ce que c'est parce qu'on est allé trop vite? Parce que des fois, c'est juste ça aussi. Hein. Tu vas trouver, comme je disais, la foule n'a pas le temps de digérer l'information que tu lui donnes. Ou est-ce que, bah, tout simplement, la foule n'était pas intéressée par ça? Parce que, tu sais, je reviens sur les styles de lutte. On est beaucoup maintenant dans la lutte pour certains où c'est OK. On va commencer, fais un pas à droite, comme ça, je peux donner un kick à gauche. Ensuite, je vais faire un 180. C'est très millimétré et chirurgical. Ce qui est super impressionnant à regarder, mais je trouve que tu perds. L'adaptabilité justement avec la foule. Je redonne l'exemple de Carl Jepsen, qui, comme je disais, m'a appris beaucoup là-dessus. On a un match ensemble et il me dit, et tu sais, Carl Jepsen, je le connais depuis très très longtemps, et à un moment, il me dit, OK, on va faire tel move, mais de ce côté-là, pour que la foule puisse voir ce qui va arriver de l'autre côté. Quoi tu parles? Il dit, c'est logique parce qu'on était avec Carlos, que je salue aussi parce que. Carlos est un génie du ring également. Et il dit parce que bah, si Carlos fait le move de tel côté, moi je peux arriver de là, donc toute la foule peut le voir et réagir en conséquence. Je fais OK, donc tu vas regarder ces trucs-là à ce point-là. Il dit oui. Et si par contre la foule ne réagit pas comme je veux au moment où je fais ça, bah, il va falloir s'adapter pour justement aller vers où la foule veut.
Donc, des fois, c'est important, parce que tu sais, on s'entend, on raconte des histoires, c'est important d'amener la foule là où tu veux raconter ton histoire, mais il faut écouter aussi la foule qui va te dire implicitement, c'est pas forcément ça que je veux voir. Comme il y a des fois, je me rappelle, il y a une fois, on avait prévu, je sais plus c'était avec qui, on avait prévu quand même une grosse séquence. Et on commence la séquence et on voit que la foule est fatiguée. Tu sais, la foule ne suit pas la grosse séquence. Et c'est l'autre, j'essaie de me souvenir de son nom, mais je ne l'ai plus, pour de vrai, un ring general qui me dit, aïe, on va couper ça, puis on va aller directement à tel move. Je suis comme, on gâche la séquence. Il me dit, fuck la séquence. Il dit, la foule n'est pas là. Je suis comme, ok, on fait un. Mais le move, en plus, il était basique celui-là. Je pense que c'était genre un body slam qu'on terminait. Il me fait le body slam, la foule. Oh, je suis comme, ok, il me regarde, il me dit, c'est pour ça que je t'avais dit. On commençait à courir dans tous les coins, des reverse et tout. Et il me dit, la foule n'est pas là. On va oublier cette séquence-là. Je suis comme, ok. Donc, et c'est encore une fois pour ça que je disais, n'importe qui commence ou qui a l'impression de stagner, faut qu'il sorte. Parce que tu vas tomber avec des gens qui ont plus d'expérience et qui vont te donner des trucs et astuces. Ou justement t'adapter dans le ring. Et ça, c'est le plus important aussi, pouvoir écouter la foule puis réagir avec ce qu'ils veulent également. Ouais, c'est ça exactement. Ça rejoint un petit peu, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Des fois, on prévoit de faire plein de choses et au final, tu fais juste la moitié et tu as une meilleure réaction. Et d'ailleurs, tu sais, on parlait ici de être heel, face, gentil, méchant. Est-ce que tu as une préférence entre les deux? C'est très compliqué parce que je pense que chacun a son petit côté intéressant. N'importe quel être humain, quand tu rentres et que le monde t'acclame, il y a vraiment un ressenti spécial. Mais en même temps, en tant que heel, tu as tellement plus de possibilités et de. T'sais, tu peux te permettre beaucoup plus de choses. Par exemple, t'sais, un truc que je remarque beaucoup, c'est un face dans un match important, tu dois être sérieux quand même. Parce que bah, tu sais, il faut que tu montes à la foule, ok, je suis déterminé. C'est un truc que j'ai regardé, que je regarde beaucoup, j'ai fait l'erreur et on m'a. Simon Easton à Sherbrooke, on avait parlé, j'ai fait, ah, bah oui, c'est vrai. Tu sais, tu rentres pour un match de championnat important contre le gros heel de la place. C'est pas forcément le moment d'être ultra joyeux, de sauter partout, comme ouais, let's go, puis de taper dans les mains. Tu sais, tu tapes deux, trois fois dans les mains, mais il faut que la foule se dise comme ok, il est en mission en ce moment. Alors qu'en tant que heel, tu peux te permettre d'être comme. Aïe, recule-toi, tu sais, des niaiseries, t'es pas assez beau, recule. Tu peux être arrogant, provocateur, tu sais, y a tellement de portes qui s'ouvrent quand t'es il, quoi. Eh ben, une fois, tu sais, je te dis, les enfants, leurs réactions me font rire et des fois me touchent beaucoup. Et il y a une fois, j'étais heel à la RLE, j'ai commencé en tant que heel et je rentre sur le ring. Je fais le tour et là, il y a un petit garçon qui se lève et il me dit, ouais, viens te battre. Là, je suis, c'est dans ma tête, je suis comme, non. Il me regarde, ouais, c'est parce que tu as peur et tout. Donc là, je m'approche, tu sais, on s'entend, j'ai le maquillage, j'ai le truc, tu sais, je suis comme trois têtes de plus que lui. Je lui dis, assis-toi ou ça va mal aller. Et là, il me regarde, il fait, non, et tu vas faire quoi? Il fait, ben rien. Enfin, j'ai juste continué mon chemin et c'est là que j'ai fait, ben. Tu peux pas juste geler un enfant sur place non plus juste pour montrer que tu es heel. Donc, c'est là aussi la liberté du heel ensuite, c'est de pouvoir ben, revenir sur l'enfant. Comment, tu sais, tout à l'heure, tu m'as embêté, ben, regarde ce que je fais au gars que tu préfères. Tu travailles avec l'enfant. Et justement, quand tu vas chercher un enfant, tu vas chercher ensuite ses parents. Donc, vu que les parents ils réagissent, les gens autour réagissent. Et c'est comme ça que tu vas chercher une foule. Le plus facile pour moi, c'est vraiment les enfants. Tu sais, je travaillais avec Nitz la dernière fois, la TUW, Nitz qui est un artiste du ring aussi, et à un moment, il m'étranglait dans le ring, mais pareil, tu sais, la foule n'a pas trop de réaction. Et là, je regarde un enfant, mais droit dans les yeux, puis je fais, aide-moi, aide-moi. L'enfant, il se lève, lâche-le, lâche-le. Donc, ses parents réagissent aussi au fait que leur enfant réagisse, les gens autour réagissent, et tu as une petite Ça portion qui réagit, c'est un truc tout con. peut créer vraiment une réaction en chaîne, quoi. Quand une Exact. personne réagit, ça peut entraîner une autre réaction de plusieurs personnes. Exact. Et tu sais, ça, c'est un truc encore que j'ai du mal parce que je suis quelqu'un qui est très gimmick. C'est pendant un moment, bah, Mundo venait des îles, était un sauvage, entre guillemets. Donc, tu sais, au point où bah, je ne parlais pas parce que tu sais, j'ai un accent français. Donc, forcément, quelqu'un qui voit Mundo, qui se dit,
Qu'est-ce qui fait qu'il y a un accent français? C'est parce qu'il y en a qui pensent vraiment, ils savent pas que je viens d'une île en fait. Et même si le portrait que je dépeins de Mundo ne représente absolument pas mon peuple, il y a quand même cet aspect île. Donc les gens, des fois, ils viennent me voir, ah ouais, t'as un accent français, je suis comme, oui, tu sais, je viens d'une île pour telle chose. Mais il y a, c'est comme tu disais, c'est ce côté où tu t'adaptes, où est-ce que bah, la gimmick, tu franchis un certain pas, etc. Donc, tu sais, c'est pour ça aussi les gimmicks fortes comme Undertaker, justement, qui commencent à se livrer, parce que bah, il fallait qu'il reste dans le dead man en permanence, parce que bah, sinon, tu gâches le. Tu sais, il y a quelques années, hein, une expérience comme ça, je ne l'aurais jamais fait, parce que ça me sortait beaucoup trop de ma gimmick, et je voulais que les gens y croient sincèrement que bah, Mundo vient d'une île, ne connaît pas la technologie, ne connaît pas tout ça, est vraiment un sauvage. Et c'est en étant face, en commençant un peu plus à parler aux gens, que je me suis dit, bon. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? T'sais, je peux approcher la gimmick d'une autre façon aussi. Donc, il y a cette ouverture-là, encore une fois, qui a été possible avec la gimmick. Mais pour moi, ça reste super important que quand tu rentres dans le ring, les gens y croient en fait à ce que tu fais, à ce que tu dis. Ouais, exactement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça aussi le catch, parce que tu peux pas, comme par exemple, c'est pour ça qu'on a différents personnages, et je pense que c'est important de avoir des réactions qui sont legit par rapport à ton personnage. Par exemple, moi, qui ai un personnage, on va dire, un peu sombre, un peu brutal dans le ring, je vais pas commencer à agir comme Ric Flair, qui est le truc complètement, totalement opposé. Donc ça aussi, c'est une chose, quand on est catcheur et quand on apprend le catch, c'est aussi une chose importante à savoir, c'est de apprendre aussi à bien, enfin, avoir des réactions qui sont en coïncidence, en corrélation avec ton personnage. C'est pour ça aussi que je te disais, il n'y a plus de heel fort maintenant, parce que quand tu es heel, la foule n'est pas supposée rire. On s'entend des fois, tu dis des choses qui sont drôles. Il y a des heels qui me font mourir de rire, mais c'est parce que c'est dans leur façon de parler, dans leur façon d'embêter la foule. Mais il y en a, tu le vois, que c'est fait vraiment exprès pour je suis heel, mais je veux quand même être cool et fun avec les fans, donc je vais dire des choses drôles exprès. Tu sais, il y en a un, c'est Rogan. Rogan, j'adore travailler avec lui parce qu'il est heel. En plus, il est gigantesque, il est fort comme trois bœufs, comme c'est pas permis. Mais il est heel. En plus, tu sais, il a un masque, il gueule sur les gens. C'est impressionnant de travailler avec lui en tant que face parce que mais tu sais que tu as une pop, tu as obligatoirement une pop. Alors qu'un heel, qui j'appelle dilué, bah, tu dilues la pop du face aussi parce qu'il faut qu'il travaille plus fort. Parce que si tu fais rire la foule, le face, lui, il fait quoi ensuite? Il est le super-héros, mais le super-héros, il est supposé être cool aussi. Mais si en tant que heel, t'es cool au même niveau, qui à part tricher, tu sais, il n'y a pas de grande différence ensuite. Donc j'aime ça travailler avec des heels forts. Et quand on me met heel, ce qui n'est pas arrivé depuis quelques années, j'essaie d'être vraiment un heel fort où je sais que le face va pouvoir tirer tout le bénéfice après. Parce que le but, encore une fois, c'est quand tu arrives à la fin du match. Si tu es gentil et que tu gagnes, faut que la foule explose. Si tu es méchant et que tu gagnes, faut que la foule ait envie limite de t'attendre à l'extérieur. Et quand tu sors, ben, ils veulent te tabasser. C'est ça le but en tant que tel. On essaie que ça n'arrive pas, mais le but, c'est vraiment en tant que méchant. Le meilleur, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, et c'est pas une blague, hein, on était à un festival pareil extérieur. Le gars, il me dit, je vais te retrouver. Mon travail est fait, moi. Je le Voilà, c'est sais bon. qu'il ne le fera pas. Bah, en fait, je sais. J'espère qu'il ne le fera pas parce que le gars, pour de vrai, il était une armoire à glace. Et ça, je me dis, bah, parfait. Donc, quand le face va gagner, mais ce gars-là, il va exploser. Et c'est ça qui est arrivé. Le face a gagné. La foule, oh, parfait. Toi, tu restes par terre. Tu es comme, ouais, beau travail. Ouch. Les heels, ils ont vraiment une place super importante dans un combat. C'est encore même, je pense, plus important que le face. Malgré que le face reste aussi super important, mais je pense que c'est vraiment le heel qui peut. D'ailleurs, le but du heel, c'est de mettre le face en avant. Mais avoir un heel OK et avoir un bon heel, c'est le jour et la nuit. Bah, tu sais, qu'est-ce qui fait les bons super-héros? C'est pas leur code moral, c'est pas leur force, c'est l'ennemi qu'ils affrontent.
Pourquoi C'est Son ça. Goku dans Dragon Ball est devenu un héros? Parce que tu avais Freezer en face qui se foutait de tout et qui voulait juste tout casser. Si Freezer en face, il voulait tout casser parce qu'il avait un objectif moral plus important que... Tu te mets à t'attacher, tu sais, je suis vraiment un fan de manga aussi, tu sais, je pense à Naruto, où tous les méchants ont un objectif et une vision qui est très respectable. Tu sais, je pense à justement au personnage de Pain, où quand Naruto, il le bat, tu te dis, est-ce que Pain n'avait pas raison? Donc tu dilues aussi la victoire de Naruto, que oui, tu as gagné, tu as sauvé le monde, c'est cool, mais l'autre à côté, il n'avait pas spécialement tort non plus. Tu sais, je repense au personnage de Obito. Ou alors que tu as les gars, encore une fois, comme Freezer ou Cell, où c'est juste, ben non, je suis méchant parce que va te faire foutre, c'est tout. Et c'est ça que j'aime voir aussi au catch, justement, je reprends l'exemple de Logan. Lui, il est méchant parce que ben, il aime ça. Parce que Logan aime être méchant, puis lui, il aime voir la souffrance dans les yeux des gens, la peur aussi. Tu sais, je pense qu'un petit peu le personnage du Beast King vient de là. Tu sais, je l'écoutais un petit peu parler. Il y a cette réaction au Beast King où, et même moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait Je connaissais Franky de Morph, ceux qui étaient comme let's go! Et là, Beast King arrive et comme ouais, est-ce que je vais mourir aussi? C'est ça qui est important. Et comme tu disais, un heel correct va donner un match correct, même si le face il est là. Mais un excellent heel, tu viens de faire le match au complet. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois. Je pense que c'était Robert Stone, maintenant à NXT. Il disait, dans une bonne heat, tu peux faire une heat de 5 minutes où il y a deux moves seulement. Puis ça n'a même pas besoin d'être des gros moves, tu fais deux body slams et c'est tout ce que tu fais autour de ton body slam qui est important. C'est vrai qu'en une heat, si tu fais body slam, tu cours, tu envoies, le gars il vole et tout. C'est pas ton rôle. Par contre, une fois que tu as... Et encore une fois, je reviens sur Roman Reigns. Qui donne un coup de botte à Sami Zayn, va voir sa femme. Par contre, faut le faire. Là. Tu vas voir la femme de l'autre comme ça, c'est ta faute s'il est là. Tu aurais dû lui dire, etc. Il remonte un punch, il n'a rien fait. Là. Toute la foule. Et c'est ça que ça prend. Ça prend vraiment un. Mais pareil, et je comprends que certains puissent se dire, oh, ben, je préfère être face parce que ben, on m'applaudit. Je comprends, tu sais, je veux dire, je suis également dans cet état d'esprit-là. C'est très agréable et plaisant de se faire applaudir, mais il y a une certaine fierté de réussir à se faire détester. Et je ne parle pas de ne pas se faire aimer, je parle de se faire détester. Où les gens, quand tu rentres, ils entendent ta musique, puis la première réflexion, c'est « Oh, j'ai hâte que tu manges une volée. J'ai hâte qu'on te casse la gueule parce que tu m'énerves. » Puis là, je ne parle pas de la hit à X-Pac où c'est juste comme ben, je t'aime pas, j'ai aucune affinité avec toi. Je parle vraiment de hit terrible, genre Kane en 2010, je pense, quand Undertaker fait son retour, puis on apprend que c'est Kane qui avait attaqué Undertaker. Cette hit-là, genre, on pensait que t'étais bon, mais t'es un connard, puis je veux que tu meurs. C'est ça qui est important. J'ai Ouais, peut-être dit c'est plein ça. de gros mots par contre, là, mais. Non, mais c'est bien. Non, c'est pas grave. On s'en fout. C'est ça le but. C'est ça le but. Enfin, non, pas le but, mais je veux dire, quand on parle de heel et de face, c'est un petit peu le type de réaction qu'on veut de la part des gens. Bah, écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On a parlé de plein de choses intéressantes, des petites anecdotes et des sujets intéressants que je pense que les gens qui vont regarder seront. Ça va apporter plein de bons petits conseils. Avant qu'on clôture, je voulais peut-être te laisser parler de tes réseaux sociaux. Si tu avais des réseaux sociaux où on t'a envie, ou si tu as envie qu'on te suive sur un réseau social en particulier, je te laisse parler de ça. Je te laisse développer un petit peu ça. Je te dirais que réseaux sociaux, c'est vraiment plus récréatif que super sérieux, comme certains qui s'en servent pour portfolio. D'ailleurs, pour ceux qui veulent commencer le catch, on est dans le monde numérique. Donc, c'est très important d'avoir des petits réseaux sociaux, ne serait-ce que pour pouvoir annoncer les combats, etc. Mais si jamais il y en a qui veulent voir un peu plus, sur Instagram, c'est clem-payette, non, clem-payette-du-bas mundo. Donc, vous pouvez me suivre là-dessus. Pareil, je repose de temps en temps des petits trucs. Des stories, mais tu sais, c'est vraiment plus récréatif que vraiment une vitrine pour ma carrière. Ok, bah je ferai en sorte de mettre ça en bas dans la description. Et merci beaucoup à toi d'avoir Merci à accepté cette toi. invitation.
Pour être honnête, là, j'ai même pas vu le temps passer. Ça fait quoi? Ça fait 1h40, 1h14 qu'on est en train d'enregistrer là. Toutes les choses dont on a parlé, c'était vraiment super chaud, stimulant et intéressant. Et d'ailleurs, mais pour les personnes qui vont regarder ce podcast comme d'habitude, n'hésitez pas à vous exprimer en bas dans l'espace commentaire, à liker, partager, s'abonner, tout ce beau petit package de YouTube. Mundo, je vais te souhaiter une bonne journée. Quant à moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.